Morgan, allez, Iden, les aujourd'hui le Lunishpator, Machlouf, Michel ben Masouda, Nachman Yosef ben Nachum, Avram Nachain, Orber ben Fortune Mazal, Dov ben Yehudit, Yaakov Nissim ben Chana, Erozet, Zohara, Bat Sultana. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui Maseret Mila, Perek He, Mishnah Gimel. En Moel Achar Moel Bamugdashin, Ela Behema Ochli Charet. Keitzad. Rachav al Gabe Behema, Oba Chavero Verachav, Oba Chavero Verachav. Chata bekos shel zahav ou ba chavero vechata ou ba chavero vechata. Talash mina chatat ou ba chavero vetalash ou ba chavero vetalash. Kulan ma'alu. Rabbi Omer, kol shen lo pidyon, yesh lo, yesh bo moel achar moel. On a déjà introduit plusieurs fois qu'il y a deux sortes d'objets que l'on sanctifie au Beit Hamikdash. Il y a ce qu'on appelle la gdushat agouf et la gdushat damim. Gdushat agouf, c'est une gdusha intrinsèque. C'est des choses que l'on doit offrir. En Corban, eux-mêmes, on ne peut pas transférer la Gdusha. À la différence de la Gdusha de Damim, où c'est concrètement un bien qui appartient au Mekdesh. Aujourd'hui, c'est ce bien. Demain, on peut le remplacer par un autre en transférant sa Gdusha sur une autre valeur monétaire. C'est-à-dire, je m'explique un petit peu mieux. Lorsque je sanctifie, par exemple, Corban Ola, ou un Corban Tratat, ou un Corban Hacham, ou peu importe, eh bien, ce Corban-là, cet animal-là, il devra monter sur le Mizbeach. Je ne peux pas transférer cette gdusha sur aucun autre animal. Comme on avait appris, même dans Tumura, même si sur un animal meilleur, il y a même un interdit de le faire, et mieux que ça. Si je vais vouloir transférer la gdusha, le deuxième il va devenir kadosh, mais le premier aussi il reste kadosh. Parce que pour le moment, la gdusha elle est intrinsèque. C'est pas un problème d'un animal inconnu, indéfini, qui appartient au Beit HaMikdash, mais c'est cet animal précis-là qui doit monter en korban. Jusqu'à qu'après, si toutefois il va avoir un défaut, alors maintenant, sa gdusha tagouf, la gdusha de son corps, littéralement, c'est-à-dire sa gdusha intrinsèque, alors elle va devenir une valeur monétaire que maintenant, puisque cet animal est le plus apte à monter en misbéach, là on va au moins récupérer sa valeur pour en faire un korban, et donc on va transférer sa gdusha sur un autre korban, sur un autre animal. D'accord? Donc il y a deux types de gdusha. La Mishnah vient maintenant nous apprendre une règle essentielle dans les l'Hilchot Me'ila. Tout d'abord, on va commencer avec la gdusha de Damim, en expliquant que si toutefois il y a un objet, un stylo, qui appartient au Beit HaMikdash, que j'ai sanctifié, donc maintenant cet objet-là, qui sert à écrire, ça peut servir pour le Gizbar à inscrire, à écrire si on en a besoin, ou ça peut servir au Gizbar à en tirer 10 shekels en le revendant à quelqu'un d'autre. C'est aussi une éventualité. C'est une valeur monétaire. Il y a une halakha qui va me dire que si toutefois, par erreur même, je vais en tirer profit, je vais l'utiliser, de manière à ce que j'ai une utilisation de une prouta, avec, je l'ai fait diminuer d'une valeur d'une prouta, comme ce qu'on apprenait dans la Mishnah précédente, eh bien, ce stylo, il va entièrement devenir rouline. Sa gdusha, elle va disparaître. Je devrais apporter la contre-valeur entière de l'objet au Beit HaMikdash, la rendre au Gizbar en rajoutant dessus le cinquième, en apportant mon Korban Meila. Ouais, vous retenez le principe? Parce que j'utilise un objet kadosh, la gdusha s'en va. Et l'objet devient profane, complètement. De ce fait, la Mishnah va m'enseigner la règle de « En Moel Achar Moel » du Gdushat Damim. Il n'y a pas de « Moel Achar Moel », il n'y a pas de comment dire, le mot « Meila », on avait dit les sacrilèges. Il n'y a pas de sacrilège après un sacrilège. C'est-à-dire, dès que j'ai le premier qui va l'utiliser, c'est fini, il a profané. Et maintenant, celui qui va venir et qui va l'utiliser, il ne transgressera plus d'interdit parce que l'objet est devenu profane. La Gdusha qu'il y avait, elle a disparu. Ça s'est transformé en une dette que maintenant, moi, je dois régler au Beit HaMikdash en jetant le cinquième et en apportant mon Korban Meila. Cette règle, elle est vraie pour tout ce qui est Gdushat Damim, mais pas pour ce qui est Gdushat Agouf. Tout ce qui est Gdushat Damim, donc c'est là, quelque chose qui est sain, lorsque la valeur monétaire, c'est la valeur monétaire qui est sanctifiée, c'est-à-dire que le Gizbar, il peut transférer la Gdusha à sa guise, mais pas pour ce qui est Gdushat Agouf, les choses qui doivent monter sur le Mizbeach, en l'occurrence, les animaux, en l'occurrence même, les objets, les ustensiles du Beit HaMikdash aussi, comme le Mishnah va nous dire, les ustensiles du Beit HaMikdash, ou encore donc tout ce qui monte sur le Mizbeach, ça peut être les animaux, comme ça peut être les oblations. Et on peut commencer, c'est-à-dire, je m'explique encore un petit peu plus, c'est-à-dire, on va prendre le cas d'un animal par exemple, ça va être le cas que la Mishnah elle va ouvrir par cela, je vais prendre une vache du Beit HaMikdash, qui était censée être un korban shlamim, ou un taureau qui était censé être un korban ola. Je vais l'utiliser, je vais même l'affaiblir, j'en ai tiré profit, je dois apporter un korban meila.
l'animal il est resté kadosh. Tant qu'il n'a pas eu de défaut, il est resté dans sa pleine kdusha, et de ce fait, celui qui va venir l'utiliser derrière moi, il va de nouveau transgresser l'interdit de Meïla. Et chacun devra payer la contre-valeur du profit qu'il a tiré de l'objet. En Moel Achar Moel Bamugdashin. Il n'y a de Moel Achar Moel. Il y a de sacrilège après un sacrilège, c'est-à-dire une fois que l'un a fait le sacrilège, le deuxième transgressa un sacrilège dans les Mugdashim, dans tout ce qui est Kadosh, uniquement, et la Behema ou Kli Charet. Juste dans les animaux et dans les Kli Charet, dans les ustensiles de service, du service du Beth Amikdash. Ouais, inclure dans Behema tout ce que l'on offre au Beth Amikdash, pas que les animaux, même les oblations. Et la Mishnah commence à me dire, Keitzad, comment se présente le cas ? Rachav al-Gabé Behema, il a chevauché un animal, il est monté sur un taureau qui était Ola. Il en a tiré profit, il l'a affaibli même. Ou Bachav, une fois qu'il est descendu de. Après, il est descendu de l'animal, il y a eu son ami qui est venu, et lui aussi, Bachav, lui aussi, il est monté dessus. D'accord, il a fait un petit tour sur un taureau, il a fait du rodéo. Et donc, Ou Bachav, il y en a un autre encore qui a fait encore la même histoire, il est venu aussi, il est monté dessus. Ou encore, un autre cas de figure. Il y avait un clic qui était kadosh. On avait sanctifié un beau verre en or, un mazrek, où on récupère le sang du Beth Amikdash, en or, on l'avait sanctifié. Et quoi ? Shata Bekos Shelzav, il a bu dans un verre qui était en or du Beth Amikdash. Uba Chaverov Shata, l'autre, son ami, il est venu, lui aussi, il a bu. Uba Chaverov Shata, l'autre, il est venu, de nouveau, il a, lui aussi, bu. Et la Mishnah va me dire à la fin que tous, Kolam Chayavim. Encore troisième cas de figure. Donc pour l'instant, on a parlé de celui qui. De trois personnes qui vont chevaucher un après l'autre sur un taureau qui est kadosh, trois personnes qui vont boire dans un verre en or qui est kadosh du Beth Amikdash, ou encore Talash min Achatat, il a arraché des poils d'un Achatat, quantité qui va la faire de une prouta lui aussi. Ou Bachavero et Talash, l'autre aussi, ça l'a pris, il est venu, il a aussi arraché des poils. Ou Bachavero et Talash, l'autre aussi, il est venu, il a arraché des poils. Pour le moment, l'animal, il est encore un bon corban, il n'a pas été invalidé parce qu'on a arraché des poils. D'accord. De ce fait, sa kdusha est encore entière, et donc ils sont tous kulam ma'alou, ils ont tous commis l'acte de sacrilège, ils sont tous passibles de porter un korban meïla, et de rembourser le profit en rajoutant le cinquième aussi avant. Rabbi Omer maintenant, on a la suite de la Mishnah, et on a un Rabbi qui va nous dire apparemment la même chose, or c'est pas possible qu'il dise la même chose, donc il va falloir se casser la tête à comprendre quelle est la discussion. Pour le moment, on traduit. Rabbi Omer, Rabbi enseigne, kol she'en l'opidion, toute chose qui ne peut pas être achetée, yesh, bo, moel, achar, moel, eh bien, on sera confronté à cette halakha-là, qu'on fera un sacrilège après un sacrilège, c'est-à-dire une fois que l'un aura transgressé, il aura tiré profit, l'interdit de Meïla, l'autre aussi, il transgressera quand même l'interdit de Meïla. Pourquoi? Parce que c'est un animal qui n'a pas de pidion, qu'on ne peut pas racheter. Il s'avère qu'en fait, Rabbi a répété la même chose que Tanakama. Exactement. Ils ont tous les deux dit que finalement, un animal qui est kadosh, qu'on ne peut pas transférer à la kdusha, donc sa kdusha, elle est intrinsèque, elle est forte, on a beau en tirer profit, la kdusha, elle reste quand même, et l'autre, il transgressera de ce fait l'interdit de Meïla. La différence, lorsque c'est une kdushat d'amim, c'est juste la valeur monétaire, que dans ce cas-là, le premier qui va tirer profit, alors il va lui-même profaner totalement l'objet, et la kdusha, elle va s'évaporer, puis il devra apporter la contre-valeur. Rabbi a répété la même chose que Tanakama. Sur ça, on a besoin du Vorté de Nora, qui nous explique en deux mots qu'on parle en fait d'un cas particulier. Il y a un long sujet qui est traité dans Meïla, je crois que ça va apparaître plus long. On en a déjà un petit peu parlé, je crois, à propos de la Amada et Aracha. Dans Arachin, on en avait parlé en fait. Il y avait lorsque je veux racheter la Gdusha d'un Korban qui a eu un défaut par exemple, il y a une Aracha, la Torah nous dit Ve Mido Akoem Ve Richo. Et le Kohen devra le mettre debout et l'estimer. Une halakha qu'il faut que ce soit un être vivant, tu veux lui faire une estimation, tu veux racheter sa kdusha, il doit être debout. Et s'il ne peut pas être debout en l'occurrence parce qu'il est mort, ben il n'y aura plus de pidyon. Principe clair. En l'occurrence maintenant, on parle d'un... Il y a une différence entre Rabbi et Chachamim, justement sur cela. Un korban qui a eu un défaut. Mais il a eu le défaut, et avant de le racheter, je le fais la shrita. Et la grande question maintenant, il doit savoir, est-ce que je peux racheter cet animal pour ensuite le manger, puisqu'on a fait la shrita. Il est kasher, en théorie. Sauf que pour le moment, c'est un korban, il y a un interdit de meïla. Ben, transfert la kdusha
sur de l'argent, et tu pourras récupérer cet animal et le manger. Ou bien non, tu es condamné à rester avec, tu ne peux plus racheter. Pourquoi? Parce qu'il y a un din de Ahamada et Aharacha. Alors Rebbi, il pense justement qu'il faut nécessairement mettre l'animal debout pour pouvoir le racheter. Un animal qui est mort, on ne peut plus le racheter. Tout le monde est d'accord qu'un animal qui est mort, on ne peut plus le racheter. Seulement, Rami vont nous dire qu'un animal qui a été égorgé, tu peux quand même le racheter. Tu pourras transférer la Kdusha. Donc en fait, le point de Marloquette, il est exactement sur ça. Est-ce qu'un animal qui a été égorgé, est-ce que je peux il a fait la shrita, le bon rituel, apte à être consommé. Alors, est-ce que je peux transférer sa Kdusha, bien qu'il soit mort, ou est-ce que non, si elle est mort, donc il n'est plus debout, bien évidemment, et je ne peux plus racheter la Kdusha. Rebbi pense que tu ne peux plus le racheter. De ce fait, la Kdusha ne va plus pouvoir se faire enlever. De ce fait, toute personne qui viendra ensuite manger, un premier va venir manger un bout de viande, et l'autre va venir tirer profit encore de la viande, et l'autre va tirer profit de la viande, ils sont tous rayavim. Tandis que Khamim nous dit, non, puisque tu peux le racheter, alors revient la règle de la Kdusha de Damim, que puisque tu peux le racheter, dès que tu vas tirer profit, toi, de l'animal, l'animal, il est devenu khoulin, la viande, elle est devenue khoulin, et le deuxième, il ne transgressera plus l'interdit de Meïla. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Sarah Koltou, salam.